Il était une fois une mer où les hommes pouvaient pêcher des poissons pour se nourrir. Et puis, on découvrit que les fonds marins étaient en danger. On demanda aux petits pêcheurs de diminuer la pêche et de détruire leurs bateaux. Mais de gros bateaux ont remplacé les petits bateaux. De très gros bateaux qui appartenaient à des multinationales, financées par les États, les banques et les fonds de placement. Avec l'aquaculture, c'était en 2015 presque 5 tonnes de poissons qui étaient pêchés chaque seconde. Des ONG préconisèrent de créer des réserves marines où on n'avait plus le droit de pêcher. Mais on pouvait observer les poissons avec un masque et un tuba. Pour cela, on venait en avion. On construisit des pistes d'atterrissage et des hôtels. On découvrit alors que le poisson pouvait servir non pas à être mangé, mais à créer d'autres richesses. Des ONG, financées par les banques et les multinationales, confirmèrent que les océans pouvaient avoir une plus grande valeur si on les transformait en actions carbone sur lesquelles on pourrait spéculer. Les petits pêcheurs n'avaient plus de travail. Les grandes entreprises pouvaient continuer à polluer. Quant aux poissons, ils ne servaient plus à nourrir les hommes, mais les marchés financiers. Comment pourrions-nous, un jour, changer le cours des choses? Il me semblait que c'était impossible. Je me trompais. Ils sont des milliers dans le monde à se battre contre la mainmise de la finance sur les océans.